Dessiner pour gagner des prix n'est pas seulement intéressant, c'est aussi très amusant. Lorsqu'il y a un prix et plusieurs concurrents, c'est une lutte inoubliable qui est vraiment passionnante à regarder. Surtout si vous regardez un challenge multidou. Oh, quel délicieux gâteau! C'est difficile de trouver quelque chose de plus savoureux. Quoi? Vous inquiétez pas. C'est comme ça que vous l'aimez bien? Un énorme gâteau! Ça a beaucoup mieux comme ça! Je peux déjà sentir l'odeur. Oui, ça a l'air délicieux. Je peux imaginer à quel point ça va être délicieux. Gardez à l'esprit que vous n'avez qu'une minute pour dessiner le gâteau. Le meilleur obtient cette récompense. Et ce sera certainement moi. Je pourrais utiliser de la peinture spéciale. Merci. C'est ce dont j'ai besoin. Allons-y! Maintenant, elle a de la chance. J'aime pas ça. Mais vous êtes toutes bonnes concurrentes ici. C'est bon. J'ai une idée. Emma, regarde-moi. Oh, qu'est-ce que t'es? Un monstre? Je tombe. C'est mieux comme ça. Maintenant, le gâteau me revient de droit. Très bien, mesdemoiselles. Le temps est écoulé. Montrez vos chefs-d'œuvre. Regardez, j'ai le meilleur. Bien, bien. Oh, c'est vraiment très original, j'adore. Que pensez-vous du mien? Un chef-d'œuvre. C'est un chef-d'œuvre. C'est décidé. Monica gagne cette compétition. Je le savais. Et alors? Au moins, mes dessins sont comestibles. Que m'est-il arrivé? Quoi? Donc Monica est une voleuse. Rien, j'ai une idée. Vous aimeriez que le gâteau soit en plein dans votre visage. Zach est pathétique, mais la vengeance est plus importante. Monica, t'es très chanceuse. Qu'est-ce qu'il y a? Oh, oh non, voilà le gâteau. Mais j'ai gagné, moi. Alors, mais mange ton gâteau sur le sol. Tu sauras comment voler des dessins. Ce n'est pas juste. Si c'est, voilà. Et le gâteau est très bon aussi. J'ai gagné, mais maintenant je suis assise dans cette poubelle. Horrible. Je me demande ce que c'est cette fois-ci. Maintenant? Ouais, ouais, voilà. Ici, regardez comme ça brille. Vous allez adorer cette pierre. Pas une mauvaise pierre, je suis d'accord. On donne ça pour les beaux yeux? Waouh, c'est tellement gros. C'est vraiment gros et croyez-moi, c'est très cher. Alors faites de votre mieux et vous l'aurez. C'est parti. Bien. Oh, je peux réutiliser ma pierre. C'est pas mal non plus en fait. Quelque chose me dit que je peux gagner. Quelle belle pierre. Je serai heureuse de l'obtenir, mon cher Zach. Je verrai n'importe quoi pour Zach. Waouh, elle est vraiment pas mal. Eh bien, je vais devoir faire quelque chose à ce sujet. Désolé, mes amis. Mais c'est pour une bague coûteuse. Qu'est-ce que c'est? D'où vient la lumière? Je ne vois rien. Où est tout le monde? Pourquoi c'est si sombre? Eh bien, c'est ma chance. Maintenant, je vais posséder cette belle bague. Eh bien, le temps est écoulé. Êtes-vous prête à exposer vos peintures? Oh, je ne suis plus aveugle. Bien sûr, nous sommes prêtes. Oui. Tu dis honnêtement, c'est horrible. Je ne voulais pas vraiment ce truc. Monica, ton... Eh bien, ça fera l'affaire. Merci, mon chéri. Alors Emma, c'est bien pour vous aussi? C'est merveilleux. Je suis si heureuse. Maintenant, il faut juste choisir. Monica ou Emma? Je suppose que celui de Monica est meilleur après tout. Et Monica gagne. Yeah, je le savais. Merci, mon amour. Merci de m'avoir donné la victoire. Ce n'est pas juste. Tout est acheté ici. Et la bague est juste parfaite pour moi. Elle s'adapte parfaitement. Zach, chérie, je suis en route. Quoi? Où vas-tu? Ah, laisse-moi tranquille, Monica. Je veux t'épouser. Chérie, attends. Je te rattraperai de toute façon.
Elle est un peu effrayante. Oui, elle est un peu bizarre. Cette fois, c'est un œuf en chocolat qui vous attend. Il pourrait y avoir une surprise à l'intérieur. C'est un truc vraiment beau. J'en bave. Youpi! Je suis prête à dessiner. Êtes-vous prêtes, les filles? Alors, commencez. Ouais. Yay! Il est temps d'avoir une tenue de combat. Crachez sur les pinceaux. Les mains nous ont été données spécifiquement pour dessiner. Je pense pas que je vais abandonner les pinceaux. Je les prendrai comme les griffes de Wolverine. Je pense comme une vraie super-héros. Donnez-moi l'œuf et vite. Merci. Juste à temps. Ça rendra mon dessin parfait. Tout ce que j'ai à faire est de le tracer. Et c'est un chef-d'œuvre. Oh non, qu'est-ce qui s'est passé? Vous avez complètement perdu votre peur? Mon dessin! C'est fichu pour toujours! Et tiens bon, Suzy! Le temps presse! Montrez vos travaux! Suzy, ton dessin est pas mal! Je sais, bien sûr! Monica, c'est quoi ton dessin? C'est affreux! Oui, mais sérieux? Et moi, c'est quoi cette morve sur ton papier? C'est pas moi, c'est pas ma faute! Peu importe, c'est décidé! Suzy gagne! Félicitons-la! Oh, je suis prête! On dirait que ça va être délicieux! Oh, Monica, prends ça! Avec plaisir! Et moi, voici un cadeau pour toi! Je suis tout à fait d'accord! Ah, pourquoi tu m'as donné ça? Les filles, on s'en va! Ah, c'est une surprise, ça, non? Quelle horreur! Alors, où est le prix? Je vole! Préparez-vous à dessiner! Et voilà, je suis là! Il a pris l'avion ou quoi? Votre prix sera ce casque d'astronaute juste ici. Croyez-moi, c'est très cool. C'est vraiment cool! Je pourrais aussi aller dans l'espace et regarder les étoiles. Puisque vous étiez intéressé par l'achat d'un casque, il est temps d'y aller. Allons-y, les filles. Un pinceau? Non, c'est trop. Je pense que la plume, c'est la solution. Ça fera apparaître mon dessin plus cher. Moi et mon Zach serons ensemble même dans l'espace. Ah! Moi et Zach allons flotter dans l'espace. C'est tellement romantique. Quoi? C'était quoi, ça? Je pense que je rêvais un peu. C'est reparti. C'est quoi ce bruit? Je savais qu'il venait pour nous. Nous devons nous protéger. Je ne vais pas dans votre espace. Je ne veux pas être kidnappé. Le temps est écoulé. Montrez-moi les dessins. Suzy, je suis choquée, c'est juste génial. Et toi, Monica? Ah, on est parti, hein. Mais je t'aime. Je vois. Alors, Emma, qu'est-ce que t'as, toi? C'est quoi cette tâche? Il se trouve que c'est... Donc, Suzy gagne. On applaudit. Je savais que je pouvais gagner. Donnez-moi mon casque. Prends ça, pas de soucis. Eh bien, je vais voler, alors. Ne m'attendez pas sur Terre. Je suis dans l'espace, maintenant. On te souhaite un bon vol. L'essentiel est que tu ne sois pas kidnappé par des extraterrestres. Andy, tu ne nous oublies pas? Allez, on y va. La victoire n'est pas très loin. Allez. Bien, c'est cool. Allez, allez. C'est ça, j'en ai marre. Je vais l'avoir. Oh, qu'est-ce que vous faites? Je vérifiais juste si le prix fonctionnait. Allez, dessinez-le. La console de jeu. C'est génial. Ça vaut la peine de se battre. Détends-toi, Lily. Mon dessin est presque terminé. Yeah. Oh non. J'ai tout gâché. Il n'y a pas de raison de continuer. Mais t'en es pas encore perdu.
Yes! J'ai une feuille de cahier. C'est tellement plus facile de dessiner sur les carrés. On dirait un dessin d'enfant. Et Lily dessine pas si mal. Je dois faire plus d'efforts pour la battre. Il est temps de jeter de la couleur. Le bleu est très bien. Je dois l'arrêter. Adieu la peinture. Qu'est-ce que c'est que ça? Celui qui m'a touché a des problèmes. Tu préfères vérifier notre travail, peut-être? J'ai essayé. Moi aussi. Sois d'accord, Andy. Mon travail est le meilleur. Oui. La peinture bleue de Marie est en place. J'ai compris, c'est toi qui l'as fait. C'est l'heure de la vengeance. Qu'est-ce que tu fais? Arrête! Vous devez être d'accord. Ce n'est pas très agréable de prendre une douche de peinture. Marie, félicitations! T'as gagné. Cool! La console est à moi! Jouons ensemble! Ouais! C'est tellement excitant! Nouveau tour, nouveau prix. Quoi? Qu'est-ce que tu fais? Je vous montre un truc. Voilà, ce sont des lingots d'or. Pas question. Ils doivent valoir une fortune. Ils sont lourds. Eh bien, commencez. Il faut se dépêcher. Here we go! Oui, on y va. Ah. Je me demande ce qui se passerait si j'avais tout cet or. Je suppose que je vais nager dans les montagnes d'or du matin au soir. Et je vais acheter tout ce que je veux. Tu ferais mieux de prendre un pinceau, rêveuse. Mais moi, il y a moins de concurrence et mieux c'est. Il ne reste plus que quelques coups de pinceau et le contour sera terminé. Yeah! Lily veut me piéger encore. Je vais devoir lui donner un cafard. J'ai peur des insectes. J'ai une chance de la gagner. Je vais enlever la peinture jaune juste pour être sûre. Merci, Kate. Où est passée ma peinture? D'accord, je vais prendre l'orange. C'est de l'or! C'est une imitation pathétique! Mon dessin est le même que l'original. Eh bien, quelques secondes. Arrêtez! Montrez-moi les dessins! Je n'ai pas eu le temps de faire quoi que ce soit. C'est un échec, Marie. Et mon travail? Ça ne ressemble pas à de l'or, Kate. Par contre, ça, c'est un chef-d'œuvre. J'ai gagné! Roulement de tambour! Ça, c'est à toi! Où sont-ils? Ah, ça fait mal! La pauvre n'a pas pu gérer son prix. L'or, c'est toujours de l'or. Je ne sais pas quoi vous offrir. Oh, j'ai une idée. Que pensez-vous de ce petit truc mignon? Il est magnifique! Assieds-toi ici, bébé.
dans mes bras. Je le donnerai au meilleur entre vous. Je ne vais pas me détendre cette fois-ci. Il faut ajouter plus d'oranges. Et encore. Je pense que ça se présente plutôt bien. Oh non! J'ai gâché mon dessin! Qu'est-ce que je vais faire? Oh, je sais! Je vais utiliser mon visage comme une toile. What? Mais tu n'as pas l'air d'un minou? Je sais mieux que quiconque. Bon, fais ce que tu veux. Surtout que je sais comment dessiner le chaton parfait, grâce à maman. Le museau est fait. Maintenant le corps. Quelques petits détails. Ok, tu t'en sors bien. Je dois surpasser ton résultat. Et je pense que je sais déjà comment. Quel beau poisson! Wow! Ne le dites à personne! Wow, le temps est déjà écoulé! Voyons ce que les filles ont eu! Voici mon travail! Miaou! Oui, c'est original. Lily, ça ne ressemble pas du tout à un chat. Je ne comprends pas. Pourquoi t'as dessiné le poisson? Et ça, ça se ressemble? Oui, pas mal. Je pense que nous avons un gagnant. Yeah, merci! Qu'est-ce que tu dis? Je comprends pas ce qui se passe. Je change d'avis. Lily a gagné. Ce n'est pas juste, elle a dessiné un poisson. Je savais que ce coup de l'éca me mènerait à la victoire. Tu peux le tenir, Kate. Ah, j'ai failli oublier. Hey, c'est un plaisir pour toi. Oh, je pense qu'il aime ça. Oh, qu'est-ce qu'il est mignon. Alors, quoi dessiner? Ah, j'ai une idée. Et voilà, la table blanche fera l'affaire pour dessiner. Poupite! Regardez-le, quelle belle forme. Et c'est tellement difficile de s'arrêter. Ah ouais, j'ai presque oublié l'heure. Allez-y, je vais juste me détendre un peu. Je vais encore emprunter la voie non conventionnelle. Alors la forme est parfaite. Il ne reste plus qu'à ajouter de la couleur. Ça a l'air d'aller. Je suis sûre que je vais faire beaucoup mieux. Je vais essayer de dessiner à mon nu. Wow, c'est trop cool! Comme jouer à un vrai poupite! Désolée, mais ça ne ressemble à rien. C'est juste moi ou mon cœur ne ressemble pas du tout à un poupite? Je vais devoir le réparer d'une manière ou d'une autre. Je sais ce qui va m'aider. Ce badge ressemble exactement à un poupite. Il faut juste l'agrandir un peu. Il s'agit juste de le retourner et de l'encercler. C'est parfait. Et maintenant, je vais le colorer. Je suis tellement bonne à ça. Quoi?
Le temps est déjà écoulé. Arrêtez. Oh, c'est parfait. C'est pas ce qu'il faut. Et moi alors? Pas mal. Mais j'ai un meilleur dessin, n'est-ce pas? Oui, j'ai encore gagné. Bien que non, Marie a gagné. Marie, pourquoi? Eh bien, Lily. Marie. Je suis confus. J'ai trouvé. Je vais juste lancer un poupit sans regarder. Il sera le mien. Ne te fais pas d'illusions. Je le donnerai pas si facilement. C'est très fascinant. Wow! Une fin inattendue! Les pinceaux sont rangés sur l'étagère. Les peintures s'épuisent et heureusement, il reste encore le bêtisier. Regardez-le et souriez. À bientôt!